Bonjour et bienvenue sur payturdelair.tv, toujours dans la magie de Noël. On se quitte vraiment dans une ambiance féerique dans un instant avec un auteur, compositeur, fantaisiste, humoriste et surtout chanteur. Mélas, bonjour. Bonjour Pascal. Pour le CD de Noël qu'on découvre dans un instant. Voilà, donc il est toujours d'actualité, toujours ça fait d'actualité. Plaisir, ça revient une fois l'an, ça c'est une valeur baigner, sûre. On va se baigner dans cette ambiance de Noël et les premières notes qui vont distiller cette rubrique sont faites par Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Pascal, les premières notes. Ho ho ho. Bonjour le Père Noël, version Mélas. Bonjour. Le petit disque, Pascal. Le petit voilà, disque. Mélas est revenu avec Noël. Noël avec Mélas. Pour se mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année en famille. La petite mélodie qui accompagne le repas, c'est de vous cette année. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça va tourner en boucle. C'est parti d'ailleurs, on l'entend sur les marchés de Noël, on l'entend dans les foyers, on l'entend un peu partout. Alors pour moi, c'est également une période anniversaire. Hein. Ce CD a 15 ans d'âge, c'est comme les bons whisky. Donc il a eu le temps de s'affirmer. Je rappelle quand même à ceux qui ne le sauraient pas qu'il a été réalisé avec la complicité de Frédéric Arnold, qu'on a vu tout à l'heure dans la rubrique avec Marie Calla. Et donc, 10 chansons, mais également 10 versions instrumentales. Sympathique, avec toujours la présence de mon petit lutin de Noël. Le c'est ce qui met l'ambiance, lui. Mémoire, alors. Hein, bel objet, vous, quand on même. On a toujours ça. Des accessoires insolites. Qui... Ah, bah, moi, c'est mon truc. Moi, c'est mon truc. Voilà. Le petit bruit avec. ça représente qui? C'est le petit lutin de la chanson qu'on voit. Le lutin de la chanson qu'on découvrira tout à l'heure. Allez, votre actu, alors, à Trombac. Alors, éminemment, je dirais. Tout à fait. Demain. Dimanche, donc 1er décembre, un grand marché de Noël à Trombac. Donc, ce n'est pas un marché organisé par des commerçants, comme tous ceux qu'on peut découvrir ailleurs et qu'on respecte, bien sûr. Mais c'est un marché organisé par l'Amicale des pompiers de Trombac, qui m'avait invité l'an dernier. J'ai envie de dire presque par hasard. Je passais, il y avait un micro de libre, il y avait quelques chansons dans ma valise. Ça leur a plu et ils m'ont dit, ben voilà, écoute, Mélas, reviens nous voir. Donc c'est la première animation de Noël publique, je le précise bien, parce qu'il y a de nombreux galas privés qui vont suivre tout au long de ce mois de décembre. Pas facile, Noël, avec les moufles. Ah ben, moi j'aime bien, et puis ça m'évite de mettre les doigts dans le nez, comme ça je suis tranquille. Ouais, voilà, mais pour ça, jouer ça la guitare propre, ça reste propre. Alors on pourra aussi rentrer dans votre grenier, si j'ai bien compris, le grenier à... Le grenier à secret. Oui, c'est ça. Pascal, alors, je vois que vraiment... Alors que se passe-t-il dans ce grenier? Voilà, Payture d'Olaire est au courant de tout, ça s'appelle Mon grenier à secret, et c'est un spectacle qui sera joué deux fois, le mercredi 11 décembre à Rodaren, donc dans la vallée de Tann, juste à côté de Tann, organisé par la médiathèque. Donc c'est un spectacle qui s'adresse aux plus petits, d'une durée d'environ 50 minutes. Et en fait, j'ai été obligé par la force des choses à m'isoler au grenier, car les adultes, franchement, commençaient à me déplaire. Et je vais à la rencontre des enfants en leur faisant découvrir mille et une choses, notamment bien sûr des chansons de Noël, dans ce fameux grenier à secret. Mais je n'en dirai pas plus. Mais non, parce non, qu'on c'est un secret. Choses, on aime bien les enfants, voilà. Aiment bien fouiller voilà. Dans les greniers, c'est bien connu. Tout à fait. Hein. Voilà, il en a sorti de sa malle, il a un petit Père Noël qui l'accompagne, et des petits... Tout ça vient du grenier. J'ai pas tout ramené, hein, j'ai pas tout ramené. J'ai un peu dépoussiéré la lanterne, le petit bonhomme, il a encore plein de petites saletés. Et puis ce soir, je vais mettre mon sapin en place. Et ça va être vraiment le début, bien sûr, avec... Vous l'aurez deviné, mes 10 chansons de Noël et leur version instrumentale. En costume. La version instrumentale, c'est pour qu'on puisse s'entraîner à la maison? Ah bah ça, on fait avec ce qu'on veut. Hein. Mais le mieux, c'est de chanter avec la version instrumentale qui vous soutient. Vous me prenez pour une star. Moi, j'ai des gens qui ont complètement disjoncté dans le secteur et ailleurs. En mettant le CD, ils mettent la version instrumentale et ils se prennent pour moi. C'est la version donc, karaoké. Mais quel scandale. Mais quel scandale. Les hôpitaux psychiatriques sont débordés. Tout le monde se prend pour Mélas. Mais où je ne voulais pas en venir Mélas là, Pascal. Je voulais vraiment pas. Mais où est passé Mélas? On se le demande. Mais Mélas, voilà. À ce moment-là, il est sous le chapeau du Père Noël, quand même. Oui, et puis de temps en temps, bien sûr, je sors de chez moi, notamment en Trombac, Rodaren et d'autres galas privés, comme je le disais tout à l'heure, avec, faut-il le préciser, quelques dates encore disponibles. Ouais, à ne pas manquer au mois de décembre, donc dans notre Noël alsacien. Voilà. On découvre un titre pile poil dans le style de l'émission de Noël qui s'appelle... Vous l'aurez reconnu, c'est oui, le petit lutin qui chante Noël. Ouais. Et je pense que le public va participer activement à cette belle vidéo que nous avons réalisée ensemble, Pascal. Allez, on se met dans l'ambiance pour se quitter sur cette émission de décembre au Payture de l'air. Tout de suite, et les images avec bon Mélas. Noël. Un petit lutin a chanté Noël. Ce drôle de coquin dans la nuit si belle
a fait une ronde avec tous ses amis, a fait une ronde sous l'étoile de minuit. Le boulanger du village très vite a quitté son fourneau, et malgré son grand âge a dansé au son du pipeau. A chanté Noël, ce drôle de coquin dans la nuit si belle, a fait une ronde avec tous ses amis, a fait une ronde sous l'étoile de minuit. Le berger du pâturage à la lune a confié son troupeau, son violon unique bagage pour la fête a joué en solo. A chanté Noël, ce drôle de coquin dans la nuit si belle, a fait une ronde avec tous ses amis, a fait une ronde sous l'étoile de minuit. Et bientôt le voisinage à cette fête a donné en écho une chanson timide hommage à l'enfant dans son berceau. A chanté Noël, ce drôle de coquin dans la nuit si belle, a fait une ronde avec tous ses amis, a fait une ronde sous l'étoile de minuit. Voilà, de retour sur le plateau, toute la féerie de Noël pour les petits et les grands. Alors mais là, c'est vraiment, on s'y croirait, vraiment, on voit la lumière dans les yeux des enfants. Merci Pascal, merci. Et oui, dans les yeux du public aussi, bien sûr. Hein. Oui, oui. Alors, on a vu d'autres lumières dans les yeux du public, là derrière. Oui, on a eu les lumières des chocolats tout à l'heure, de la confiserie Arnaud, qui était là aussi. Une petite précision aussi, Pascal, le CD, bien sûr, est téléchargeable sur Deezer, on peut le dire, hein, www.deezer.com, mais également sur iTunes et sur un site qui s'appelle www.blanche-net.com. Tout voilà. À fait. Et Deezer, c'est à l'heure à laquelle on a commencé l'émission. Si et on à pas laquelle oublié. On finira la prochaine fois. On se quitte avec les images du marché de Noël de Tann qui a déjà commencé, en remerciant très vivement le marché de Noël de Saint-Amarin avec Julie Grobe et Jean Sauze. On remercie Emma, la cigogne, avec toute sa famille qui était parmi nous ce matin, le Caseus, la pâtisserie Arnold, Marie Cala et tout son orchestre, merci d'avoir été avec nous. Le mot de la fin pour cette année 2013, c'est... Joyeux Noël et bonne année. Bonne année à tous, allez, salut, à bientôt. Production Active.